Let your word come out with power. In the name of Jesus Christ, let flesh be our best. We rebuke every demonic spirit. Let your glory be manifest. Let your glory be manifest. Oh, Jagaraski Tobroni. Zibrato kayaba, malakute like dobrakete, mazobrekete mali, larokita marakata molego zibrakata, holy brasanta kuralido, lezobreketa marakushekete, mazobrakata yaba santa kurali, ilakuta brando shikata marando. Mazibrando kota yaba santa kurali, marako tobroli kata marake telebe. Lord Jesus, we worship you. The Holy Spirit, I thank you. I thank you for your anointing, for your glory and your grace. Let your glory, your anointing be imparted in somebody's life today. Let the wisdom be activated in the life of somebody today. Lord, we give you glory in the name of Jesus. Lord, the people of God say amen. Asseyez-vous. Groupe musical, merci. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, praise God. Le thème de mon message, c'est les violents s'en empare. Dis, les violents s'en empare. Amen. Praise God. Nous avons au milieu de nous ce matin le chant de l'Éternel qui nous vient de très loin. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Sois les bienvenus au milieu de nous. Les violents s'en empare. Dis, les violents s'en emparent. Les violents s'en emparent. Praise God. Nous allons ouvrir Matthieu au chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Est-ce que nous sommes dans Matthieu 11? Matthieu 11. Tout le monde est dans Matthieu 11. Matthieu, c'est après Apocalypse. Tu as trouvé Matthieu après Apocalypse? Il y a un livre avant Genèse. Matthieu est là.
Matthieu au chapitre 11. Nous allons lire Matthieu 11. Le verset 12. C'est ça, non? Ou bien, lisons ça ensemble. Tout le monde, est-ce qu'on peut lire? Tout le monde, est-ce qu'on peut lire? Tout le monde dans la salle. Ok. Ceux qui n'ont pas de Bible dans la salle, soulevez les mains, je vais voir. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Ceux qui n'ont pas de Bible, levez-vous. Ok. Si vous n'avez pas de Bible, il ne vous est pas autorisé d'acheter un pain pour la fête. L'argent que vous allez utiliser pour acheter le pain pour la fête, allez acheter la Bible avec ça. Mais toi, je vais t'offrir une Bible. Toi aussi, 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 je vais t'offrir une Bible. Asseyez-vous. Oh, alléluia. Praise God. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, amen, le royaume de Dieu est forcé. Quelqu'un peut dire, j'étais sorti. À mon retour, j'ai constaté que quelqu'un essaye de forcer ma porte pour rentrer, mais il n'a pas pu. Il dit, le royaume des cieux est forcé. Praise God. Il dit, chacun use de violence. Il dit, c'est les violents qui arrivent à s'emparer des choses du royaume. C'est les violents qui arrivent à s'emparer des bénédictions du royaume. C'est les violents qui arrivent à s'emparer des bénédictions de la rédemption. Il dit, depuis le sang de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas que la nourriture et le bois, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il y a tellement de bénédictions qui sont à notre disposition dans le royaume de Dieu. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à s'emparer de ces bénédictions, c'est qu'il manque une certaine violence dans notre vie. Praise God. D'une certaine violence. Il dit, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Comme quelqu'un a dit, take it by force. Dis à quelqu'un, take it by force. Prends ton argent par la force. Prends ton mariage par la force. Prends ta promotion par la force. Qu'est-ce que tu veux? Take it by force. Par la force, prends possession de cela. By force. By force. C'est-à-dire, le diable ne veut pas que tu possèdes, mais by force, par la force, tu prends possession de cela. Mais quand nous parlons de la force, rappelons-nous que la Bible dit dans le livre de Zacharie 4, au chapitre 6, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Quand nous parlons de par la force, ça veut dire quoi? Take it by force. Praise God. On te dit, il y a deux hommes disponibles. Il y a 10 jeunes filles. Praise God. Et tu es parmi ces 10. Vas-tu accepter de partager un homme avec 5? Ou de prendre
réveiller quelque chose dans quelqu'un ce matin. Afin que tu commences la possession de certaines choses by force. On te dit qu'il y a un poste vacant, un poste disponible dans la maison. Mais il y a 24 candidats. Dans les 24 candidats, tu es le moins gradé, le moins diplômé. Amen. Mais il y a une certaine forme de grade et de diplôme sur ta vie. C'est la grâce céleste. Alléluia. Et qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu regardes humainement par là, tu vois que tu n'es pas qualifié pour arriver à ce niveau. Mais by force, alléluia. J'ai dit by force. Tu peux prendre possession de cela. Dis by force. By force. By force, by force, I will take it. By force. Yes, by force. Vous voyez, dans la maison de Dieu, il y a trop de chrétiens nonchalants. Il y a trop de chrétiens moumous. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a trop de chrétiens qui aiment danser le slow. Nous ne sommes plus autant de slow. Alléluia. C'est un cours de danse maintenant. Yes, oh, yes. Amen. Trop de chrétiens népio. Des enfants de Dieu qui ne veulent pas prendre des responsabilités. Nous venons à l'église. Nous retournons à la maison. Nous venons à l'église. Nous prions. Nous adorons. Nous prenons la communion. Nous tombons. Nous rentrons à la maison. Nous allons au boulot le lundi. Et toute la semaine, nous attendons que quelque chose se passe dans notre service. Nous attendons que quelque chose arrive. Et rien ne se passe. Pendant combien de temps tu vas continuer d'attendre? Amen. Pendant combien de temps tu vas attendre que quelque chose arrive? Il dit, c'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui prennent possession des bénédictions du royaume. Les bénédictions du royaume ne sont pas réservées pour les bébés. Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent. Les violents. Les violents, you take it by force. By force. Alléluia. Oh, my God. Oh, Shagarakuta. Maraso de Gebrakata. Les oubrekete bayabakutali. Nous sommes à une période où nous ne voulons même plus suivre les ordres naturel pour prendre possession. Parce que dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas besoin de suivre les ordres naturels pour prendre possession de ce qui nous appartient. Nous pouvons brûler les ordres naturels, brûler les étapes naturelles. Et you take it by force. By force, you take it. By force. Oui, il faut que je fasse 6 mois dans ce département. Il faut que j'ai 1 mois dans la session informatique, il faut que je fasse au minimum 3 mois dans telle direction avant quand même que mon dossier ne soit validé. Non, you take it by force. You take it by force. Tu prends possession de cela par la force. Alléluia. Je dis, tu prends possession de cela par la force. Alléluia. Par la force. Dis à quelqu'un, par la force. Par la force, tu prends possession de cela. By force, by force. Pas une force. Tu as déposé ton dossier pour un marché. Et pendant qu'on est en train de faire le dépouillement des dossiers, tout le monde est assis dans la salle. Alléluia. Celui qui a l'amulette dans la porte, a la main sur l'amulette, en train de faire cela. Celui qui a quelque chose à la chose à l'arrière, en train de faire comme ça. Et toi, tu es assis dans le fauteuil. Tu es assis comme ça. Ça y est, fait quelque chose. Pas une force. Alléluia. By force, pendant que le dépouillement se déroule, tu dis, tu vas à la toilette. Marakata malekoto shagaba. Les obrakata yabalikata.
Mazobra kita la kata. Lezu kata yabara kita mara kutali kata. Lezobra kata yaba. Mazobra ketali kata mara kutali kata. Lezobra by force. Hallelujah. By force. Hallelujah. By force. You take it by force. Il y a trop de chrétiens. Je ne sais pas quel adjectif. Slow. 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 Amen. Des chrétiens escargots. J'enlève l'onction d'escargot de ta vie ce matin. J'enlève l'onction d'escargot de ta destinée. Vous savez ce que veut dire l'onction d'escargot? Praise God. Praise God. Comment tu peux être un enfant du royaume? Et tu vas prendre 5 ans pour bâtir 2 chambres salon. By force. By force. By force. By force. Il dit chacun use de violence. Chacun use de violence. Tu dors. Tu ronfles. Tu te lèves le matin. Oh Seigneur. Merci. Shabra bra 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 bra. Shigri gri 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 gri. Gra 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 gro. Gro 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 gro. Ti 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 ti. To 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 to. Ay 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 yo. So 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 so. Hey ay ay ay. Donc, le Saint-Esprit est venu seulement dans ta vie pour que tu parles la langue faya, 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 faya. Dis by force. À partir de ce matin, je vais prendre possession de ce qui m'appartient by force. Je vais avancer by force. By force. J'ai commencé à demander à l'Esprit de Dieu. Je suis maintenant en train de toucher à mon introduction. Praise God. Qu'est-ce qui peut permettre à un enfant de Dieu d'être violent? Regarde, même quand on te dit de prier, tu es là. Praise God. Marie-Josée, ils font quoi? Viens, viens me dire ça, ce qu'ils font. Viens me dire ça. Preacher, coming, coming. Viens me dire ce qu'ils font. Viens, viens, viens me dire. Viens. Ils font quoi? Quand on les dit de prier, ils font pas. Alléluia. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils font pas. On dit prier. Ils font quoi? Pas, ils font quoi? Il joue au spectateur. Je donne à cette porte de s'ouvrir.
pas comme ça. Eh, c'est quoi? Vous ne pouvez pas être un peu décent? Est-ce que vous êtes obligé de crier comme ça? La prière n'est-il pas dans le cœur? C'est quoi? Quelles sont ces conneries-là? Est-ce qu'on est obligé de crier comme ça? Dieu même sait ce que tu veux, non? Dieu connaît le cœur. Et cela. Et à la fin du culte, les premières personnes qui vont attendre l'homme de Dieu devant là-bas, c'est eux. Les premières personnes qui auront besoin de prier devant là-bas, c'est eux. By force. Dis by force. By force. You take it by force. Alors je commençais à demander à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui rend un chrétien violent? La Bible dit, dans le livre de 2 Timothée 1, verset 6, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans notre vie, c'est pour changer notre nature dormante, notre nature faible, notre nature incapable, notre nature peureuse. Le Saint-Esprit vient à nous pour enlever cette nature et vient nous communiquer certaines violences spirituelles dans notre esprit. Je ne parle pas de la violence physique. Amen. Je ne parle pas de l'arrogance physique. Je ne parle pas de la violence naturelle où tu donnes des coups de poing aux gens dans la rue. Je ne parle pas de l'arrogance où tu insultes ton mari à la maison. Je ne parle pas de ça. Je parle de la violence spirituelle sous l'onction de Dieu. La Bible dit dans Actes 2, Pierre, qui n'a pas été en mesure de prononcer Jésus devant une femme. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, la Bible dit Pierre s'est tenu debout au milieu des 120 et a commencé à prêcher son premier message. Un message pour lequel il n'a pas travaillé la nuit. Il n'a pas fouillé la Bible. Mais quelque chose était venu dans sa vie. Quelque chose qu'il n'avait pas. Et la Bible dit qu'il a prêché son message devant 3000 personnes. Une autre nature a été impactée dans son esprit quand le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Le Saint-Esprit est celui qui transporte la violence spirituelle. Amen. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, d'un seul coup, il s'est levé. Il a soulevé deux poteaux avec ses deux bras. La violence spirituelle. Praise God. La Bible dit Samson, sans avoir rien à la main, a pris un mâchoire d'âne pour terrasser 1000 personnes sur champ. Le Saint-Esprit. Praise God. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, c'est pour nous donner une nouvelle nature, une nature d'audace, une nature de courage. Enlever de notre vie toute timidité, toute forme de peur. Alléluia. Où tu ne crains rien. Rien ne t'intimide. Rien ne t'effraie. Tu n'as peur de rien. Regardez même Jésus, notre Seigneur. La Bible dit qu'il a été un garçon correct. Amen. Un garçon sérieux. Ayant transporté du bois sur l'épaule. Vous savez que les menuisiers transportent le bois sur l'épaule. Tout comme fait, il n'y avait pas de pousse-pousse pour qu'ils mettent le bois dedans. Donc il était menuisier. Donc sûrement qu'il avait transporté du bois sur l'épaule.
très cool. Il ne parlait pas aux filles dans la rue. Quand il passait, il saluait tout le monde. Il était poli. Amen. Jésus était poli. Et subitement, la Bible dit, Jean-Baptiste baptisait les gens. Et Jésus allait au Jourdain. Et rentrait dans l'eau. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Et la Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit. Une autre version anglaise dit que le Saint-Esprit l'a il ronde. Le Saint-Esprit l'a transporté dans le désert. Et Jésus est sorti du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et le garçon sage, le garçon correct, qui ne parle pas, amen, a commencé à aller dans les rues. Lève-toi. Commencez à aller dans les rues. Be free. Lose. Be free. Lose. Pas. Sois délivré. Sois guéri. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est allé sur le territoire de Gadaréens. Et le démoniaque est venu devant le pouvoir, veux-tu nous faire perdre avant le temps? Et la Bible dit, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et la Bible dit, sors de cet homme, esprit impur. Ça veut dire, Jésus avait l'air d'écarquiller les yeux sur les démoniaques. La violence spirituelle. Praise God. La violence spirituelle. Écoutez, si vous attendez que quelque chose arrive dans votre vie, rien ne va arriver. Rien, nothing, rien. Rien ne va arriver. Tu attends que tout arrive. Ne te lève pas et ne te positionne pas. Sinon, ton tour ne viendra jamais. La Bible dit dans Jean 5, le paralytique de Bethesda. La Bible dit à tout moment où l'ange descendait dans l'eau, l'eau était remuée. Et il attendait que quelqu'un le jette dans l'eau. Mais personne ne l'a jamais jeté dans l'eau. Tu es en train d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Alléluia. Il faut bien que tu te lèves et que tu te programmes. Alléluia. Que tu te positionnes sous l'onction comme quelqu'un qui veut prendre possession de quelqu'un. Et dis-toi, si je ne me positionne pas aujourd'hui, demain je n'aurai plus aucune opportunité de me positionner. Maintenant que cette porte est ouverte, si je ne rentre pas maintenant, si elle se referme, je n'aurai plus aucune opportunité. La violence spirituelle. Qui pouvait-il? Tu attends. Tu attends que les bienfaits arrivent. Tu attends. Que le bon samaritain passe. Quand est-ce que le bon samaritain va passer? Hein? Oui, peut-être le bon samaritain viendra un jour. Mais imagine pendant combien de temps tu seras dans la douleur par terre là, en train d'attendre le bon samaritain. Alléluia. Tandis que tu n'as pas besoin d'attendre le bon samaritain. Et beaucoup d'entre nous ce matin, nous attendons. Et le verset que nous utilisons, c'est cette prophétie TAD. Attends-la. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Et tu attends que la prophétie de ta vie se manifeste. Mais tu as oublié une chose que la Bible dit dans le livre 1 Timothée. Il dit combat, le bon combat de la foi, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc quand la Bible dit c'est cette prophétie TAD, attends-la. Pendant que tu attends la prophétie, tu n'attends pas la prophétie de ta vie en croisant les bras. Tu attends la prophétie. Oh my God. Tu attends, alléluia. Et tu es en train de faire quelque chose avec cette prophétie. Praise God. Tu attends. Tu attends. Tu attends les prochaines règles. Tu attends la prochaine période de fécondation pour tomber enceinte. Protocole ou sans protocole. Protocole ou sans protocole. Jour de fécondation ou sans fécondation, tombe enceinte seulement. You don't know the kind of Holy Ghost you get. Tu ne sais pas le genre du Saint-Esprit que tu as. Je vous ai dit, écoutez, la foi ce n'est pas ceux qui attendent.
d'attendre. Si tu continues d'attendre, tu vas vieillir. Tu attends que ton mari arrive. Attends, tu auras mal aux pieds. Ok. Il y a encore une chanson. Monsieur, madame, espoir. On espère, pasteur. On espère que les choses vont changer bientôt. On espère, pasteur. On espère. Les gens qui ont l'onction sur eux, qui sont ivres du vin nouveau, ils ne disent pas on espère. Alléluia. Ils ne disent pas. Dieu dit Saül, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Because the anointing is upon you. Parce que le Seigneur est avec toi. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Stop waiting. Cesse d'attendre. Tu attends que ton mari arrive. Sûrement que tu auras 45 ans avant qu'il ne vienne. Tu te positionnes comme quelqu'un qui est prêt pour le mariage demain après demain. Tu attends. Non, pasteur, Dieu même a dit d'être patient. Je suis patient. Qu'est-ce que, frère Massim, qu'est-ce que l'autre disait souvent? Il dit, quelqu'un disait quelque chose cette semaine. Il dit, d'autres sont patients dans la souffrance ou bien? Ils sont patients dans la pauvreté. Tu es patient, tu attends. Tu attends. Tu es patient. Non. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en emparent. Les violents s'en emparent. C'est pour ça que Dieu nous a d'abord donné le Saint-Esprit pour nous rendre spirituellement violents, spirituellement agressifs. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur la vie d'une personne, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit Jephthé. Et Jephthé courut, traversa la vallée. Et écoute, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, tu ne peux pas être sur place. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'attendre. Non, tu es rompre. La Bible dit la main de l'Éternel fut sur Élie. Élie a couru plus. Oh my God. Il courait le roi était sur son char. Et il courait et a rattrapé le char. Quelqu'un qui fait la vitesse avec un char. Et il dit, roi, cours. Que la pluie ne t'arrête pas en chemin. À partir de ce matin, tu vas courir plus vite. Tu vas courir plus vite que les chevaux. Tu vas courir plus vite que les chars. Tu vas courir plus vite. Le temps d'attendre est fini. C'est les violents qui s'en ont pas. You will take it by force. Tu n'es pas fatigué de rester dans ton désert. Ton désert de man et de caille. Ton désert de man et de caille. Ou quand quelqu'un a pitié de toi et te donne 10 000, tu acclames le Seigneur. Tu dis, tu as pourvu le Seigneur. Merci. Je ne veux plus ce genre de miracle. Ce genre de témoignage, je ne veux plus. My God, je ne veux plus ce genre de témoignage, alléluia, où je serai obligé d'attendre Marakatayabo. Seigneur, fais quelque chose. Je ne veux plus ce genre de témoignage. I don't want it, alléluia. Écoutez, Josué et Caleb ont dit, nous sommes fatigués du désert. Oh my God. Il dit, nous irons. Si l'Éternel est avec nous, nous allons posséder ce pays. Les quatre lépreux ont dit, les lépreux sans onction, sans le Saint-Esprit, sans les pouces, sans les mains, oreilles coupées, les nez tombés. Ils ont dit, si nous restons ici, en train d'attendre que la situation s'améliore, si nous restons ici, jusqu'à ce que la famine quitte Israël, qui t'a dit que la famine va quitter le pays de sitôt? Il dit, si nous restons ici, alléluia, et nous mourrons de faim. Il dit, vous voyez, je vais vous dire une chose. Selon les lois naturelles, ici il y a le danger. Le lieu de miracle aussi, il y a le danger là-bas. Mais quand tu te lèves en nation avec foi, Dieu tourne là où tu es, ou de l'autre côté, un miracle pour toi. Il dit, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous allons là-bas, ils vont nous tuer. Rester ici et ne rien faire et mourir, ou aller de l'autre côté, je préfère mourir en train de faire quelque chose que de mourir dans l'oisiveté, que de mourir dans la paresse. Alléluia. Si je mets dans la démonstration de la foi, quand je vais voir le père Abraham, il
guide non réellement. Tu as exercé la foi. Et la Bible dit qu'il y a d'autres qui sont morts en exerçant la foi. Les disciples, il y en a même qui ont refusé. La Bible dit qu'ils ont accepté décapités. Tu as croisé les bras. Tu attends. Et tous les jours, tu attends. Tu dis, le Seigneur m'a dit 3 mois. Il reste 11 jours. Les 11 jours sont passés. Et tu dis, le Seigneur ne m'a point. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour te repentir. Ta parole est vraie. Ta parole, le ciel et la terre passeront. Mais ta parole subsistera. Et Dieu dit, ma parole ne subsiste pas de cette manière. Alléluia. Dieu dit, même si toi, si tu ne crois pas, ma parole subsiste. Alléluia. Même si tu dis quelque chose, tu ne dis pas, ma parole est vraie. Tu dois te lever après ce matin et faire quelque chose by force. Dis by force. By force. By force. You take it by force. Et les 4 lépreux ont dit, ok. Allons. Nous jeter de l'autre côté. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, le Seigneur fait les miracles. En route. Donc la première chose qui amène la violence spirituelle dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. 2, ce qui nous rend spirituellement violents, c'est la justice divine. Proverbe 28, le verset 1 dit, lisons Proverbe 28, il dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance. Vous pensez que le lion, quand il se réveille le matin, il attend coucher dans sa tanière pour que le gibier arrive? Hein? Non. Le lion ne mange pas la viande d'hier. Tu as trop mangé la viande hier. Arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête. Tu as trop mangé la viande hier. Quand le lion se réveille le matin, il sort de sa tanière. Il se balade dans la forêt. Alléluia. Si même il voit quelque part, il y a une troupe des éléphants, ça ne l'intimide pas. Alléluia. S'il voit même quelque part, il y a un troupe de girafes, ça ne les fera point. Il dit, hey, le roi de la forêt a fait. Et quand le lion rugit, Mayaba Sakataboshikata, quand le lion rugit ici, un autre lion rugit là-bas, un autre lion rugit de l'autre côté, un autre lion rugit de l'autre côté, un autre rugit de l'autre côté. De telle sorte que les animaux commencent à fuir. Ils ne savent pas exactement où se trouve le rugissement des lions. Praise God. Les lions ne mangent pas la viande d'hier. Praise God. Arrête. Praise God. Arrête. Tu es trop concentré sur le miracle d'hier. Le miracle d'hier, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Praise God. Dieu n'a pas dit que tu auras un miracle par an. Il dit, tous les jours, le miracle est à ta disposition. Il dit, nous irons de gloire en gloire. De gloire en gloire. De miracle en miracle. De promotion en promotion. De victoire en victoire. De succès en succès. Mais pour que cela arrive, tu as besoin, alléluia, que la nature de lion en toi soit activée. Lui, il est le lion de Juda. Jésus est parti à la croix, pas comme le lion. Il est parti à la croix comme l'agneau de Dieu. Mais quand il est ressuscité, il n'est plus l'agneau. Quand il est ressuscité, il n'est plus l'agneau. Quand il est ressuscité, il est devenu le lion de Juda. Alléluia. Et maintenant, le lion, alléluia. Le lion ne peut pas être utilisé pour être sacré. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Écoutez-moi. L'agneau sera utilisé pour le sacrifice. Pendant combien de temps les gens vont être sacrifiés? Pendant combien de temps on va sacrifier ta tête? Pendant combien de temps on va sacrifier ta promotion pour les autres? Parce que tu es toujours ailleurs. Alléluia. Il y a un temps où nous
nous sommes ailleurs, où nous nous sacrifions. Mais après la résurrection, alléluia, notre nature lion se manifeste, alléluia. Et quand ta nature lion se manifeste, tu dois commencer à boire le sang de tes adversaires. Vous verrez cette prophétie dans Genèse 49, alléluia. Écoute-moi, le lion boit le sang frais, il mange la viande fraîche. Je suis venu ce matin te parler, afin que ton côté lion soit activé ce matin. Que ta nature lion soit activée ce matin. Et que tu commences à rugir. Alléluia. Que tu commences à rugir. Que tu commences à rugir. À rugir, alléluia. À rugir contre toute opposition. La Bible dit, quand le lionceau est déjà concentré sur sa proie, malgré la multitude de bergers, il ne se laisse ni intimider, ni effrayer. Praise God. Praise God. Tu as dit, pasteur, tu sais, le Seigneur est souverain. Si seulement on va me nommer, et il y aura tant d'attaques, je ne suis pas encore prêt. Non, je n'ai pas un cœur pour gérer tout ce combat. Tu veux la promotion. You don't know. Tu ne sais pas. À chaque étape dans la vie, à chaque bénédiction attachée de la guerre, praise God, tu n'es pas préparé pour la guerre. Comme le bishop Dag a dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu que dans leur tête, ils ont des adversaires. Et c'est la paix dans leur tête. Je suis en paix avec tout le monde. Zamina, mina. Tandis que ceux qui sont autour de toi, ils sont en train de chanter Zamina, Zamina dans le cœur. Oh, Zamina, mina. Et tu es surpris par la guerre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont surpris par la guerre. Ils sont surpris par des problèmes parce qu'ils n'ont pas été préparés à temps. Je suis venu te dire ce matin que la guerre ne doit pas te surprendre. Alléluia. Si la guerre vient le matin, tu attaques. Alléluia. Quand la guerre vient, la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Ce qui veut dire que l'esprit de l'Éternel en toi est déjà positionné pour la guerre du matin au soir. Je dis, pasteur, non. J'aime pas les conflits. Moi, j'aime le conflit. J'aime pas les conflits, pasteur. Quelque chose, il y a trop de conflits, je n'aime pas. Je ne supporte pas. D'ailleurs, même ma santé ne me permet pas de gérer tout ça. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Moi, j'aime les conflits. Moi, j'aime l'adversité. Alléluia. J'aime l'adversité, j'aime les conflits. Alléluia, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Je n'ai plus peur de rien. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Il y a longtemps, j'ai été tué, enterré avec Jésus. Et je suis revenu à la vie maintenant. Donc je n'ai plus peur de couteau aujourd'hui. Alléluia. Une fois, le couteau est déjà parti dans mon cœur. Et j'ai goûté à la douleur du couteau quand Jésus était sur la croix. Alléluia. De telle sorte que le couteau, même aussi, dit aujourd'hui, je ne peux plus le frapper à nouveau parce que je l'avais déjà touché. Alléluia. Écoute-moi, arrête cette mentalité. Alléluia. Arrête cette mentalité. Cette mentalité de médiocrité. Arrête ça. Praise God. Les frères de David étaient sur le champ de bataille. Quand Goliath sort pour parler, ils disent, as-tu vu? Viens. Reste ici. Reste ici. Madame Massim, reste là. As-tu vu? C'est pour nous créer des problèmes. Que Goliath est venu. As-tu vu? Hein? Vraiment? Depuis quand on va quitter ici? Ça fait un mois que j'ai même laissé ma femme à la maison. Le chef ne va même pas permettre que je rentre à la maison ce week-end-ci. As-tu vu Goliath? C'est pour nous humilier. Hein? Au lieu que le roi aille louer l'armée égyptienne pour nous aider, le roi Saül aussi a peur. As-tu vu? Est-ce que tu es dans cette classe? As-tu vu? C'est pour me créer des problèmes, hein, qu'il y allait dans le bureau du DG. As-tu vu? Ok. Si c'est pour te créer des problèmes, qu'il y allait dans le bureau du DG. Toi, va dans le bureau de Dieu, va lui créer des problèmes là-bas. Cette semaine-ci, j'ai changé ma mentalité. J'ai dit, à partir de maintenant, rien ne va plus me toucher parti cadeau. Si tu me tapes une fois, je vais te taper cette fois. J'ai dit, si tu me tapes une fois, I'll beat you seven times. Maintenant, je ne
contrôle. Dieu va juger. C'est fini. Le jugement est dans ma bouche aujourd'hui. Je ne ferai plus cadeau à aucune situation. You cannot touch me and go free me. Non, 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 non. Non, non. Dieu a dit d'être en paix avec tout le monde. Écoutez, le même qu'on appelle Jéhovah Shalom, c'est le même qu'on appelle Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Si tu me touches du côté de la paix, I'll give you peace. Si tu me touches du côté de la guerre, tu auras la guerre. Nothing. Rien. Écoutez, j'ai changé de mentalité. J'ai changé de mentalité. Rien ne va plus me toucher. Un parti cadeau. Rien ne va plus toucher à mes intérêts. Un parti cadeau. Écoute. Écoute. Écoutez. Rien ne va plus toucher à l'intérêt de mes enfants de cette maison. Un parti cadeau. Hey. Rien. Écoute-moi. Dieu seulement me fait le rapport. Dieu seulement me dit, âme de Dieu, on m'a fait ça. Écoute. Rien. Ne va plus me toucher. Un parti cadeau, c'est fini. Quelle est cette chrétiennité? Où on marche sur toi? On te piétine. Non, on ne te dit pas de faire le coup de poing avec les gens dans le bureau. Je ne parle pas de coup de poing. Non. Maintenant, écoutez. J'ai dépassé le temps pastoral. Je suis apôtre prophète. J'ai dépassé l'état pastoral. Praise God. Non. 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 David dit, pendant que je gardais les troupeaux de mon père, quand le lion vient et enlève une brebis, je cours après le lion. Je le frappe. J'enlève la brebis de sa gueule. Si le lion se redresse contre moi, je le déchire en deux. Alléluia. Arrête. Arrête. Parce que c'est cette femme qui trouble mon foyer. Pourquoi tu ne peux pas troubler sa vie? La Bible dit, celui qui me trouble, quel qu'il en soit, emportera la peine. Écoute-moi. Celui qui me trouble, emportera la peine. Le temps là est fini. Le temps du fait du cadeau est fini. Parce que je sais qui je suis. Je sais quel mandat j'ai entre mes mains. Je ne suis pas un homme ordinaire. You cannot touch me and go freely. Non. Non, it's over. It's over. Hallelujah. It's over. Les gens sont venus arrêter. Le prophète Élie Élisée. Il dit, si je suis un serviteur de Dieu, quand les faits tombent, écoute-moi. Il dit, si je suis un serviteur de l'Éternel, si vous venez pour me faire du mal, avant de venir, le Saint-Esprit va dire, repentez-vous. Mais si vous n'êtes pas pour la repentance, oh my God, my God, my God, I'll make you to know I am a man of God. I carry some anointing upon me. Hallelujah. It's over. It's over. Le temps de te toucher est parti. Tu as fait les affaires avec quelqu'un, on t'a triandé. Et tu dis, je laisse toi, Dieu va juger. Non. Non, 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 je ne laisse rien à Dieu. Je ne laisse rien à Dieu. C'est pour ça, vous aussi, ne grugez pas les gens dans les affaires. Hein, soyez intègres. Soyez honnêtes. Non, from today. Je dis, à partir de ce jour, rien ne va plus toucher à quelque chose qui m'appartient. Un parti cadeau. Écoute-moi, tu tapes quelque chose qui m'appartient. My God, poa, 7 times. My God, my God, my God. Hé, hey, quelle est cette vie chrétienne? Quelle est cette vie chrétienne? Et nous transportons les lions de Judas. Et nous sommes devenus des moutons. Et toujours les gens continuent de nous sacrifier, de nous sacrifier. Il y a longtemps, Jésus a été sacrifié. Je ne suis plus à l'étape d'être un mouton ou d'être l'agneau de sacrifice. Je suis maintenant, alléluia, un avec les lions de Juda. Les lions de Juda. Je suis un avec les lions de Juda. Mais dans son dehors. Ah, alléluia. Écoute-moi.
Ce sont des brebis, des agneaux, des renards en habit de brebis, des loups en habit d'agneau. Parce que tu es un lion. Quand ils viennent, tu vois comme ça. Ça, c'est pas un mouton. C'est une vipère. C'est pas un mouton. Et avant qu'il ne te morde, tu l'as déjà mordu 2-3 fois. Pa, 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 pa. Ils ont pas. Praise God. Ce message, j'ai écouté un message cette semaine qui m'a intoxiqué. Et pendant que j'écoutais ce message, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur Matthieu 11, verset 12. Praise God. Hey, c'est quoi? Vous voyez? Et maintenant, la troisième chose, c'est la foi. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne prenait pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Maintenant, tous les chrétiens d'aujourd'hui sont à la défensive. Alléluia. Ils sont à la défensive, non? Ils sont à la défensive. Si tu restes trop à la défensive, un jour viendra défoncer ta défense. Hein? Les footballeurs, les matchs dans lesquels les gens servent trop leur défense. Quand les gens vont venir à votre défensive pendant longtemps, ils finiront par trouver une faille et défoncer votre défense. Alléluia. Laissez la défense à l'Éternel. Praise God. Il dit, celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Laisse la défensive à Dieu. Va à l'offensive. Il y a une chanson qu'on chante. Nous allons dans les camps ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Levez-vous. Arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nos pieds. Il est sous nos pieds.